Bonjour, je suis Arnaud Vacheron, éditeur du site machine-outil.com. Sur le Salon Industrie Paris, Cléa a présenté sur son stand une console robotique universelle pour robots polyarticulés et cartésiens. Cette console, qui se présente sous la forme d'une tablette tactile et de deux joysticks pour la commande des trajectoires de robots, ne nécessite pas de formation spécifique. Nicolas Desmarecco, responsable technico-commercial de l'entreprise, nous en résume les principaux avantages. Le Joyteach est une innovation 2018 présentée par Cléa. À l'issue de toutes les rencontres clients cherchant à robotiser leur production, nous avons remarqué et échangé avec les clients concernant la phase suivante, suivant l'installation. C'est-à-dire qu'après une installation robotisée, il faut pouvoir être en mesure d'aménager son programme et aménager sa solution pour passer de nouveaux produits. Et souvent, ça fait appel à du recrutement d'un nouveau roboticien. Cette compétence-là est spécifique souvent à une marque de robot. Or, les clients ont parfois plusieurs marques de robots dans un parc et donc ils doivent maîtriser l'interface de chaque robot. Nous avons décidé donc de développer le Joyteach, qui est une interface universelle robot, c'est-à-dire que vous pouvez piloter différentes marques de robots en collaboration. Et comment cela fonctionne? On a deux joysticks avec une sécurité dessus et on sait amener les robots à l'endroit où l'on le souhaite. Programmer les trajectoires en mode cartésien, en mode axe par axe selon les besoins. On sait aussi utiliser les fonctions de gripper pour prendre et déposer des produits tels que on peut le faire maintenant. On sait aussi du coup préparer via notre interface une application de vision pour faire de la reconnaissance produit, pour faire de la reconnaissance aussi et relocalisation du robot, recadrage. La programmation est une deuxième étape qu'on a voulu avancer, est une étape très simplifiée. C'est-à-dire qu'on va faire un programme à partir d'une liste de programmes, on va le constituer, on va constituer des séquences à l'intérieur et ces séquences seront réutilisables au sein d'autres programmes. Elles seront aussi réutilisables sur d'autres robots. L'application, je dirais, encore plus complète est telle qu'on peut faire travailler en collaboration deux robots ou trois robots, une multitude de robots de marques différentes pour faire une même application ou travailler conjointement. À partir de ça, la programmation est simplifiée, c'est-à-dire que lorsque je fais un programme, comme ici, je vais donc commencer l'enregistrement et une fois que j'ai commencé l'enregistrement, je peux modifier ligne par ligne les points que j'ai enregistrés, aussi les vitesses de mouvement et l'aspect lisse de l'opération. Je sais aussi y implémenter des étapes telles que la prise, la dépose, une prise de vue, ou toute autre interaction avec le produit. Et enfin, je sais aussi ajouter, supprimer des lignes dans mon programme. Retrouvez nos actualités quotidiennes sur les machines-outils, logiciels, outillages et services sur le site internet du répertoire de la machine-outils, machine-outils.com. Et n'hésitez pas à me contacter directement sur LinkedIn. À très bientôt.